Bonjour chers amis et bienvenue dans ce nouvel épisode des GVA, les grosses vidéos associées. Aujourd'hui, je vais vous présenter Cubosphere. C'était compliqué à trouver, c'est marqué en gros au-dessus. Alors, Cubosphere, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un remake d'un jeu PlayStation que vous avez peut-être connu si vous possédiez cette machine vers 99-2000 par là. C'est un concept tout à fait singulier, nous allons le voir pendant la vidéo de gameplay. C'est un software qui est libre, qui est donc amélioré aussi, car vachement plus joli et disposant d'un éditeur de niveau qui vous permet bien entendu de créer vos propres blocs et de créer vos propres comportements. Quoi qu'il en soit, cette petite merveille est disponible pour Windows, Linux et certainement Mac OS X. Hein, j'ai pas vérifié parce que je suis un gros flemmard, bien entendu. Alors déjà, vous incarnez un héros peu commun. Un ballon de plage. Un ballon de plage qui fait des choses bien particulières. Il roule. En plus de rouler, il saute. En plus de sauter, ben s'il roule sur un pic, ben il crève. Ouais, un ballon de plage, quoi. Donc on va démarrer une nouvelle partie tout de suite. Donc vous pouvez voir que le déplacement, en fait, se fait par case. Là, on se retrouve face à la sortie. Et pour débloquer cette sortie, il faut débloquer un certain nombre de... Il faut débloquer un certain nombre de clés, en fait, dont le nombre est indiqué en bas à gauche. Au centre, vous avez le score, qui est extrêmement important, j'y reviendrai. Et tout au-dessus, vous avez le temps, qui ne l'est pas moins. Pour ce qui est du score, vous pouvez voir que le score du niveau est indiqué en jaune et le score général est indiqué en blanc. Vous pouvez diriger la vue vers le bas ou vers le haut. Et c'est tout. En fait, il n'y a pas de vue libre, ce qui fait partie des grandes difficultés du soft. Vous pourrez remarquer aussi que lorsque vous sautez par-dessus une seule case et pas plus. À part dans certains cas où certains blocs vous propulsent un petit peu plus. Alors pourquoi je m'acharne à récupérer un maximum de pièces pour avoir un maximum de score? Non, ce n'est pas par pur égotisme, mais ça a bien une utilité. En effet, quand vous mourrez, vous perdez un nombre de points prédéfinis. Et donc au final vous vous retrouvez avec un score total qui était baissé. Et si votre score arrive à 0 ou moins, et ben vous perdez tout simplement. C'est-à-dire que vous vous retrouvez face à un bel écran de game over sans possibilité de continuer. Alors, on peut voir que les sauvegardes ne sont pas disponibles quand on le souhaite, mais uniquement une fois un certain nombre de niveaux passés. Donc, là, vous voyez, sur les cubes, vous pouvez tourner autour, et votre balle, en fait, est soumise à la propre gravité du cube, en fait. C'est-à-dire que le bas restera toujours le bas pour votre balle, et le haut restera toujours le haut. Mais c'est le monde qui tourne autour, en fait. Bon, bien sûr, si vous voulez faire un maximum de score pour avoir un maximum de vie, le temps compte aussi, il me semble, je ne suis pas sûr. Donc là, on va pouvoir voir une belle illustration de la gravité, entre guillemets, grâce à un pseudo ruban de Möbius, en fait, reproduit dans le jeu. Un ruban de Möbius, en fait, est une forme géométrique qui n'a qu'une seule face. Je vous invite à rechercher une illustration. Alors,
Alors, vous voyez que quand vous arrivez en bout de, d'une plateforme, en fait, vous avez la possibilité de tourner autour. Il faudra jouer de ça extrêmement souvent. Bien sûr, il faudra faire attention aux divers pièges, par exemple les pics, etc. Donc voilà, je pense que tout est dit. Je vais vous laisser apprécier les quelques minutes de gameplay qu'il nous reste à voir. Et j'interviendrai au cas où. Voilà, voilà. Donc on peut voir là que je vais me servir en fait du bloc en face pour m'arrêter et pour tomber dans le... Bien entendu, si vous touchez les pics, ben vous crevez au sens premier du terme. D'où l'intérêt de regarder en bas et en haut. Là on voit un nouvel item qui permet de rajouter du temps, forcément à s'habiller, vous vous en doutez. Là où ça diffère du Cool Award original, c'est que vous aviez en fait un sablier représenté au-dessus, et l'item sablier retournait le sablier. Donc ça fait que si vous étiez à 90 secondes, et que vous preniez le sablier, ben il vous restait 0 secondes, et c'était le game over. Là, on voit que je me suis bloqué bêtement. Alors oui, là, on sent vraiment que c'est de la plateforme réflexion. Et je fais encore n'importe quoi. Là, on tombe sur une surface glacée, donc en fait, vous ne vous arrêtez pas à chaque case, votre balle continue d'avancer comme une merde.
et c'est à vous en fait de calculer votre saut pour vous en sortir. Comme je viens de le faire avec Maestria. Alors là on tombe sur le premier niveau qui va me poser réellement problème en fait. Non pas au niveau de la complexité du truc, mais au niveau du temps et de l'analyse. Et voilà, on voit que j'ai perdu 2000 points, comme une grosse merde. Alors oui, les points ça fait mal quand on les perd. Parce qu'on en gagne peut-être vite, mais ils partent vite aussi. On voit que c'était serré quand même. Sur ce, il va être temps de vous quitter, donc je vous souhaite une bonne journée, soirée, midi, enfin, ce que vous voulez, on est sur internet et sur un site de streaming, donc peu importe. Et je vous conseille vivement d'essayer cette petite perle. Donc, à la prochaine pour une prochaine vidéo, et ciao !